dessiné. C'est vrai que Solberg avait 50 secondes d'avance. On ne pensait pas lui reprendre tant sur les spéciales aujourd'hui. Très bonne matinée pour nous. Ces spéciales me plaisaient beaucoup plus. C'était aussi des spéciales que je connaissais un peu, que j'avais faites en 2009. Donc ça m'a aidé à pouvoir attaquer tout de suite et à me sentir à l'aise. Tarentiel sur droite, 650 mètres, droite 140, Denier sur le frein. Avant droite, Cordanciel, droite Cordanciel sur le champ un peu plus dur. 70 mètres, gauche 130 très vite. Gauche 130 très vite pour droite, main moins lent et droite à fond. Sur 310 plus 1000 en ouvre. Et ferme 110 pas corde. Ouais. Et attention, droite en montant intérieur. Sur ciel pour Cauchy. 130 mètres, gauche à Fourmilo. C'est qu'effectivement on a pris la tête mais que l'avance n'est pas encore trop confortable et qu'il va falloir essayer de l'augmenter ce soir si on veut avoir une chance de la conserver demain. On n'a pas l'habitude de conduire de nuit sur terre et tout simplement de nuit on fait rarement des spéciales. Donc c'est un challenge, j'espère qu'on ne sera pas gêné par la poussière premièrement et c'est vrai qu'il va falloir trouver le bon rythme puisque ça change quand même pas mal les repères. C'était vraiment une spéciale très difficile pour finir la journée, beaucoup de poussière qui stagnait, je voyais rien du tout dans la voiture, donc on a fait ce qu'on a pu et puis au vu des écarts, en tout cas on n'avait aucun speed, donc apparemment ça valait pas le coup de rester devant et on a décidé de reculer.